Bonjour, partage l'info est en déplacement. Une petite visite, une boutique. Bonjour. Bonjour. Partage l'info est avec SPAC Lyon. Nous sommes au bloc métro Pré-Saint-Gervais. Voilà, exactement. Que proposez-vous exactement? Ben, partage l'info aujourd'hui, vous êtes au bloc au quatrième étage chez Inadi Spiritual Road of Rastafari, donc nous. Donc nous proposons pas mal de produits artisanaux venant de la Guyane, les Antilles, l'Afrique, le Sénégal, plus précisément l'Éthiopie, et puis d'accord, les sélections de nos frères aussi. Les sélections de musique là, n'est-ce voilà, pas? Exactement, des productions de nos frères. Il y a des livres? Voilà, des livres spirituels, des livres de culture historique, black. Okay. Entre guillemets. Et donc on voit des bijoux. Voilà, pas mal de produits aussi, hein. Des sœurs qui font ça. Ça provient d'Amérique du Sud, donc de chez nous, près du Brésil, la Guyane française. D'oreilles. Voilà. Il y a des quoi, il y a des cosmétiques, je vois de l'encens aussi. Voilà, de l'encens, des épices aussi du pays. Ok. De l'encens, des livres, de la culture. D'accord. Alors donc c'est une petite boutique et alors. Donc il y a cette activité de vente d'objets. Vous avez voilà, d'autres exactement. Activités donc, à travers ça, on fait aussi de l'événementiel. De l'événementiel, d'accord. Voilà, parce qu'on travaille avec des associations humanitaires, donc des associations qui sont en lien beaucoup avec l'Afrique, entre guillemets l'Éthiopie. D'accord. Parce que nous, on est plus en relation avec l'Éthiopie. D'accord. Donc on fait énormément ça, on fait des activités aussi humanitaires pour les jeunes des fois. D'accord. Des cours de collier, de perles, bon, d'accord. Différentes activités. Et les événements, c'est quoi? Ça va être des concerts, des... Ça peut être des concerts, ça peut être des portes ouvertes, ça peut être des expositions pour okay. récupérer des gains, pour pouvoir envoyer des conteneurs de vêtements. D'accord, donc il y a des dons en nature, c'est ça? Voilà, en nature et des fonds en monnaie quand on y va sur place. On est du coup à Chachamani, donc... à travers une association qui est en face du tabernacle. D'accord, donc même si on regarde la vidéo là, on connaît l'adresse, le bloc Pré Saint-Gervais, on peut voilà. monter au quatrième étage, demander Spike Lyon, et faire des réception. Dons, ça peut partir en Éthiopie? Oui, des dons matériaux, ce serait mieux. D'accord, comme quoi par exemple? Vêtements? Des vieux vêtements au lieu de les jeter, des baskets, des jouets, des livres. Des fournitures scolaires quoi, ouais. Voilà, ça, exactement, ce serait mieux. La nourriture, pas trop. Tout ce qui bien est sûr. Vraiment matériel. Pas de denrées périssables. Voilà, quoi. Exactement. Okay. Voilà. Et alors, justement, quels sont vos buts et objectifs, alors, vos volontés avec tout ça? Parce que là, ça fait beaucoup d'activités. Bon, ben, notre volonté, hein, c'est toujours la même chose. Hein, c'est pouvoir aider les gens à subvenir à leurs besoins en Afrique, des gens qui n'ont pas cette possibilité-là, des gens qui n'ont pas de quoi manger, parrainer certaines personnes à travers. Les possibilités qu'on a monétaires sur l'Europe et puis voilà. Ok, d'accord, très bien. Alors où pouvons-nous vous contacter, vous suivre donc ou nous, simplement poser d'autres questions? Donc nous, Inadi Spiritual Road of Rastafari et Spiritual House of Rastafari, nous avons un site www.spiritualhouseofrastafari.com. Donc okay. c'est un site, vous allez sur internet. Je vais mettre ça en description. Hein. Voilà, et à travers ce site-là, vous avez tous nos liens, donc comme on vend aussi tout ce qui est spécialité végétalienne. Ah. Donc du soja, des steaks de soja, des saucisses, des escalopes de soja. Donc vous avez nos liens à travers ce site-là. Ok, d'accord, très bien. Ben, monsieur Spack Lyon, merci beaucoup. Merci à vous, je partage l'info avec vous. Yes, à très bientôt. Pas de soucis. Au revoir.